sonorité qui est très proche de la musique de chambre, mais avec une intention musicale commune sur la composition. On l'entend plutôt avec des soufflants, et là se retrouver avec des cordes, on est évidemment obligé d'avoir, on va dire au niveau du volume sonore, quelque chose de beaucoup plus contrôlé. La musique d'Olivier, elle est à la fois très mélodique et très rythmique. C'est vrai qu'il me donne un rôle un petit peu d'électron libre dans le sens où je fais l'accompagnement, je fais plein de choses et du coup je me détache un peu de la partition et j'essaye de trouver des trucs par rapport à ce qu'il amène. On est tous participants de la création, on est tous participants du mouvement général de la musique. Rien n'est figé. Dans cette formation-là, j'ai effectivement envie que les musiciens soient passage. Et on arrive à trouver un bon compromis entre les instants où on a besoin d'être dans le son et en même temps des moments où les choses éclatent.